Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à RC de Go, jeu édité par Taito. Un jeu, vous avez compris, de voitures radio-commandées. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas été gamin un peu attiré pour ce genre de choses? Les voitures radio-commandées, les bateaux radio-commandés, les avions radio-commandés, enfin, toutes les miniatures à portée de main. Alors, on va faire un petit tour dans le menu options, voir ce que l'on a comme. Possibilité, donc la difficulté mode normal, hard ou easy, on va laisser en normal, voir ce que ça donne. Vibration, on va la laisser. Key configuration, on va laisser comme ça. Alors, on va une petite. Petit écran de chargement. Alors. Donc, on a un mode practice, un mode quick race, un mode championship, un mode time attack. Ce que je vous propose, c'est juste de faire un mode time attack, histoire de vous montrer un petit peu les bases du jeu. Donc, on a un mode time attack avec un nombre de tours et un nombre de free run, on peut faire un nombre de tours illimité sur les différents tracés. Alors on a de on-road ou off-road, je vais vous montrer pour le moment le on-road, d'ailleurs ça me fait penser à une petite Ferrari 97. On a différents circuits, donc on a les circuits indoor, outdoor, etc. On va prendre par exemple, je sais pas, par exemple on va prendre celui-là. On a différents types de voitures, donc pour l'instant on a. Alors, point débloqué. Hein. On a différents types de voitures, on a. Alors, je sais pas ce que c'est ça, on dirait une Mazda. Ou une Supra, je sais pas. Ça c'est une. Une NSX. Ça, ça doit être une Skyline, je crois là tout va bien. Et là on a. Ouais, ça c'est une Mazda. Alors du coup, on va prendre. On a quelques différentes spécifications. Par exemple, celle-là elle est ultra moyenne partout, donc ça c'est sympa. Mais peut-être qu'il faudra prendre une voiture si on veut s'en sortir mieux sur un circuit. Écoutez, pour l'instant, on va prendre celle-là. Comme ça, elle est bien balancée pour le jeu. Alors, tendre bois vert. Donc c'est parti. Ça va aller vite. Voilà, je démarre. Et on a une vue du circuit comme si on était. Eh ben, en fait, en train de conduire une voiture radio-commandée, c'est-à-dire qu'on, évidemment, il y a quelques petits effets de zoom hein, pour nous aider légèrement dans la maniabilité, mais on voit quand même la voiture de loin, et du coup, l'axe, on l'a fait par rapport à un point fixe. Si vous vous souvenez, on avait joué à Generali à l'époque, un peu dans le même principe, sauf qu'on voyait tout le circuit vidéo, donc en vrai, c'était beaucoup plus facile. Là, on a la caméra qui bouge un peu, donc c'est un petit peu déstabilisant, mais vous allez voir quand même que la caméra nous aide finalement. Plus qu'elle nous empêche de bien piloter. Donc là voilà, je fais le petit tour, c'est assez court, hein. On a quelques petits détails graphiques, vous voyez par exemple la petite éolienne derrière, le public en 2D. Je rappelle qu'on est sur PlayStation 1, le jeu est quand même plutôt joli, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment propre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à afficher en même temps, puisqu'on est en vue un petit peu plongeante. Mais le jeu est quand même ultra peu pixelisé, les textures sont très très bonnes. Et le circuit a l'air plutôt sympa. Alors là j'accélère donc avec le X, je peux freiner avec carré si je veux. Enfin, quand je dis freiner c'est juste arrêter parce qu'on freine pas en fait, pas vraiment en voiture de commandée. Normalement c'est une molette que l'on tourne en fait qui nous fait accélérer, enfin tourner droite-gauche. Et un petit pistolet que l'on a, sur lequel on appuie, qui nous permet donc d'accélérer. Et en général quand on veut freiner, on relâche tout, en fait, c'est tout. Je pense qu'il y a des techniques de freinage, mais ça ne parle pas trop. Alors vous allez voir, il y a aussi une petite option, si j'utilise les gâchettes, je peux avoir un mini boost. Ouais, je vais l'utiliser. Et ouais, là j'accélère un petit peu. Alors c'est pas infini, hein, ça dure un petit instant. Et c'est pas utilisé n'importe où, hein, parce qu'on va vite d'un coup. Bon, par contre ça a pas trop duré. Il vaut mieux l'utiliser dans les endroits où on sait qu'on va pouvoir aller vite. Voilà, par exemple, là dans une droite, c'était le bon plan. Donc là j'ai fait un tour en 1.18.00, c'est magnifique. Un tour parfait. Voilà, une fois qu'on a tourné un petit peu, on a appris le circuit, donc du coup on peut s'amuser. Faut vraiment, voilà, c'est une histoire d'habitude, hein, franchement, de pouvoir conduire ce genre de véhicule avec des vues totalement différentes de celles dont on a l'habitude de voir. On va faire start et on va donc quitter. Donc, je vais vous montrer un petit peu le mode course qui va être évidemment beaucoup plus sympa. Alors évidemment il y a quelques sponsors, vous avez vu, il y a Kyosho par exemple, qui est un fabricant super connu dans le monde de mobile, enfin des voitures de commandées. Alors un mode quick race, practice. Alors ce que je propose, on va faire un mode practice, voir un petit peu ce qu'il en ressort.
one. Okay. Okay. Là, il faut que je tourne juste, en fait, dans la bonne direction. C'est juste pour nous entraîner. Voilà. Bon, j'en ai fait 11. Pas mal. Je pense que je peux aller plus vite si je recommence. Mais bon, vous aurez compris. C'est un mode d'entraînement. Stop the car at the point indicated. Donc, je dois arrêter au point indiqué en utilisant les freins. Donc les freins c'est carré, donc finalement dans le jeu il y a des freins. Donc là on a réussi. No! Ok, ça c'est bon. Alors si je veux le perfect, il faut que j'en fasse 8. Mais évidemment, j'ai perdu trop de temps. Donc, du coup, bah, je vais pas en faire vite, j'en ai fait que 6. Alors, donc là, on doit casser les ballons avec la voiture. Donc, c'est parti. Donc, là, je dois casser tous les rouges. Ah, il me demande de casser le bleu. Donc, on va casser le bleu là. Le jaune là, le gris là, encore un gris ici, vous voyez à chaque fois la flèche elle bouge, hein, mais je peux le faire dans l'ordre que je veux finalement, donc là il faut que je pète deux ballons. Ah oui, on voit sur la carte en fait ce qui fallait casser. J'ai voulu le faire dans l'ordre, mais en fait je suis pas obligé. Oh, j'ai réussi. J'ai réussi au dernier moment à avoir le 20ème point. Allez, c'est parti, on va passer à la suite. Alors là, ça va être une course en 3 tours sur le circuit de Sky Flood Park. Donc voilà les participants, ce qui évidemment avait un petit détail graphique sympa. Alors, avec la petite voiture bleue, c'est parti, on a un rival donc il faut que je le batte apparemment. Ok, donc là je connais pas le circuit, donc ça va être un petit peu difficile, mais bon, on va l'apprendre ensemble. Pour l'instant, tout se passe bien. On est donc 6ème sur 8, on est dans les positions qui s'affichent en haut à droite. Et on a 3 tours à faire. Je pense que je peux gagner la course si je gère bien. Voilà, j'ai utilisé un peu le boost. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, il ne explique pas qu'il y a un boost en début, hein, mais on l'apprend en fait dans l'écran de chargement. C'est un peu paradoxal, mais bon. Peut-être qu'il va l'expliquer un peu plus tard. Allez, on va essayer de le rattraper. Ouais, il est là, c'est bon. Ouais, sans tout se passe bien. J'ai quasiment mis un tour à la petite voiture derrière nous. Je me demande si c'est pas une petite marche G, enfin une petite Micra que l'on avait en rose. Et un petit coup de boost, et du coup, on remporte la course. Donc pour un jeu qui est assez rare en fait de retrouver ce genre de jeu sur console à l'époque et même maintenant, hein, de jeux de petites voitures, on n'en a pas beaucoup si on en met, on nommait la partie Revolt où on est en vue en troisième personne. Une derrière ou dessus, là le jeu vraiment qui se dit on va utiliser une licence pour faire un jeu de voiture auto-commandée, et il n'a pas tant ça, enfin, en tout cas j'en connais pas beaucoup. Bon, on va faire quitter. On a réussi votre practice, on a quand même eu deux fois B, une fois et une fois promé, donc c'est quand même pas trop mal. On va faire un mode championnat. On va faire du coup un nouveau jeu. Et on va rentrer notre nom, donc voilà, hop, comme d'habitude. On va faire à gauche, end.
Alors, c'est le plus grand événement du RC Racing, la Teacup Open. Il y a une longue route pour arriver à devenir le champion de RC. Pour devenir le champion et gagner toutes les courses, vous devez apprendre les techniques d'amélioration et vous devez vous améliorer. Il y a à côté environ 14 courses on-road et courses off-road. Et si vous gagnez les 14 courses, vous allez devenir le champion. Donc, c'est parti. Let's go, bah, c'est difficile à traduire en même temps, c'est un peu rapide. Et vous avez compris, de toute façon, si vous êtes français. Si vous êtes. Vous comprenez l'anglais, pardon. Alors, on a un châssis, on peut choisir la spécification du châssis avec une max speed, accélération, grip break. Franchement, je sais pas ce que je vais prendre. Top speed, ouais, non. Accélération type. Accélération, ça peut être pas mal hein, pour accélérer vraiment d'un coup. J'ai plutôt envie de prendre un médium en fait. C'est le handling, accélération. Parce que regardez, par exemple, lui, il a un bon grip, ok, mais l'accélération et le max speed sont moyens. Mais si je prends l'accélération, le grip est moyen, ah, ils sont tous moyens en fait. Mais speed c'est vraiment trop moyen. Donc on va faire ça. On va prendre l'accélération de type. Et regardez, je peux choisir un châssis. Et là, par exemple, on a un châssis d'une. Ah, attendez, c'est trop bizarre. On dirait, une Mégane coupée. Ouais, c'est une Mégane coupée, hein, simplement. Mais l'avant, on dirait l'avant d'une Primera, c'est un peu bizarre, on dirait un mélange. Là, on a une 306 ou une 206. Ah, c'est une 206. Ah, c'est compliqué à dire, on dirait une 206, bon. Là, je sais pas ce que c'est une Clio, vous l'aurez compris. Ok, donc là, en fait, je choisis ce que je veux, finalement. Bah écoutez, moi, je vais prendre la... Je vais prendre celle-là, j'aime bien la PG327. Donc vous avez vu, on a déjà débloqué 3 skins différents de ce qu'on avait dans le mode training. Alors, on a un mode pour aller en mode course, on a un mode shopping, on peut aller dans le tune-up. Alors j'ai vous imaginer qu'au début on n'a rien pour acheter normalement. Donc on va aller voir dans le tune-up ce qu'on peut faire. On peut donc changer des parties ou ajouter des parties. Donc là par exemple, si je vais dans le change part, on a le moteur, on a le cerveau, on a le cerveau, donc c'est les ordinateurs pour contrôler l'accélération, pour contrôler la direction, les freins. Les on-road tires et les off-road tires, donc les pneus pour le bitume et ceux pour la terre et le driving part. Off-road suspension front, off-road suspension rear. Rear left tire pap, donc ça increase par exemple la vitesse et l'accélération. Et on a le body. On va faire retour. On peut ajouter des parties. Donc là par exemple on n'a rien pour le moment évidemment parce qu'on n'a pas de crédit. Donc le but pour nous c'est de débloquer des crédits. Et là on a l'impression en fait d'être un petit peu dans un mode Gran Turismo finalement. Si ce n'est que au niveau du réglage est quand même un peu plus faible. Donc vous pouvez voir par exemple que pour 4200 points je peux acheter un GS11R Engine. Alors vous avez la photo hein, donc je pense que c'est vraiment des modèles vendus, alors, pas depuis maintenant, mais en tout cas qui étaient vendus à l'époque pour ce genre de modèle. Donc vous avez les cerveaux, bah, tout ce qu'on a vu avant finalement on peut les acheter. Sachant que certains modèles valent plus ou moins cher. Hein. D'ailleurs je me rends compte que par exemple. Attendez. Si j'achète par exemple un cerveau, là par exemple j'ai 37 de grip. D'accord. Mais si j'achète ne serait-ce que des pneus, ah c'est ce que je gagne quoi. Enfin, c'est énorme, vous m'achetez des pneus en premier, regardez les stats comme elles augmentent de fou. Bon voilà, on a les pignons, la suspension, etc. Non voilà, pas mal de choix pour upgrader, donc ça c'est cool, vous allez voir. On va faire une course. Enfin, une course plusieurs d'ailleurs. Voilà, dans la course une. Voilà, et qui va nous remporter 1000 credit points si on gagne. Et on a différents types de courses en on-road et en off-road. Donc je vous propose de faire la première course en restant sur le saut de bitume et après on fera ça sur terre. Donc le Sky Float Park on a fait tout à l'heure il me semble. On l'a pas fait celui-là. Je sais pas. On va voir. Donc il y a 8 concurrents et 4 tours à parcourir. C'est parti. Alors on va voir si le niveau du jeu s'est quand même amélioré ou pas. Okay. Et regardez, je vous laisse un petit peu apprécier les modèles que l'on a contre nous. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de modèles à débloquer, c'est quand même sympa. Ouais, là ça passe, nickel. Bon évidemment, là on va commencer par le circuit, je pense, le plus simple. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de difficultés.
Troisième sur 8. Alors je pourrais aller plus vite, je pense, mais il faudrait vraiment que je mette un peu de speed. Voilà. Hop. On va utiliser un petit peu de boost. Je sais pas combien de fois je peux utiliser le boost par course. Ça me semble un petit peu quand même tricher. Même si j'imagine que une fois que la voiture sera suffisamment rapide, le boost on va pas forcément utiliser tout le temps parce que ça va devenir très très difficile à manier et à contrôler et tout ça. Et le champion qui est là. Et je l'ai même mis dehors. On s'est touchés tous les deux. Et ouais, le nouveau challenger qui est en train de dominer la course pour le moment et qui a battu le champion en titre du circuit. Et petit coup de drift pour la fin. Ouais. Alors vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dégâts hein, quand on touche nos autres concurrents ou le mur, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas cette gestion là. Bon, en même temps, les voitures auraient dû commander à l'époque. C'était des châssis qui se déformaient complètement, donc effectivement on pouvait casser légèrement le châssis si vraiment on y allait fort. Mais en général on pétait pas grand chose, sauf si vous avez vraiment des éléments aérodynamiques particuliers. Donc là on a gagné. Et du coup on a gagné 1000 points. Et on a battu le record de la course, du coup on a mis 500 points. On va peut-être pouvoir même déjà améliorer notre véhicule. Alors vous allez voir, quand on va changer de course, ça devient beaucoup plus dur. Donc on va faire directement la course numéro 2. Mais on va le faire en off-road. Quand on off-road, je suis pas sûr qu'on ait le bon véhicule pour ça, mais bon, peut-être que les autres IA sont du même niveau. Donc c'est parti. Alors l'off-road, je pense que ça va peut-être glisser un peu plus. Il serait logique d'ailleurs. Il y a une Impreza aussi qui est à côté de nous, enfin à gauche. Voilà, mauvais départ pour le pilote, nouveau pilote. Alors je peux cuter un petit peu, mais bon, vous allez voir quand je vais sur le gras, on a un peu de mal. Qu'est-ce que c'est comme voiture ça? J'ai une Mitsubishi Lancer, tiens, peut-être une Evo 3. Ok, donc le circuit est plutôt simple. Le rival, regardez, je l'ai envoyé en l'air. Ça, c'est assez énorme. C'est-à-dire que si je le touche et que j'appuie, on dirait une Mazda 323, sur le côté à gauche. Décidément, je m'amuse à faire tout le. L'aspect une galance. Hein. Attendez, je vais me reconcentrer, je m'amuse à regarder toutes les voitures. Non, vous aurez compris, c'est assez marrant. Mais vous voyez, quand j'appuie sur R, et pour que j'accélère, je peux mettre le rival un petit peu à l'extérieur, je peux le pousser. Par contre, je fais n'importe quoi, alors que je commence à l'éviter. Et vous voyez que l'IA, des fois, triche un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle tout à l'heure, elle a coupé le virage. Alors, ce que je comprends vraiment, c'est le petit détail de... Le petit effet sur l'antenne. Petit effet violet qui est plutôt bien rendu. Et donc du coup on a gagné une deuxième course. Alors c'était un petit peu plus serré quand même, vous l'aurez remarqué, j'ai dû me taper la main. J'ai fait un nouveau record en 0.13. Du coup on a 800 points, record bonus, et on a 2600 points. Alors je vous propose qu'on achète des pneus, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Donc on va aller au Kyosho Shop. Alors évidemment je pourrais déjà acheter ça, mais ça coûte un peu plus cher, vous voyez, les moteurs quand même. On va plutôt acheter... je suis plutôt fan des pneus pour le grip. Mais l'accélération quand même, ça me tente aussi. Alors vous voyez par exemple, on peut faire... Là si je fais ça, c'est de l'off-road et on-road. Donc en fait potentiellement je vais l'améliorer, mais que sur un type de course. Donc avec 2600 points par exemple, il faudra acheter celui-là et avoir un peu plus de spin, grip et brake. Ce que je propose, c'est qu'on va acheter par exemple celui-là. Voilà. On va faire réussite, on va aller dans le tunapé. Vous voyez que le petit sac où on a acheté nos pneus, il s'est transféré dans la partie tunap. Donc on va faire change part. Du coup, il y a new part qui est débloqué. Et regardez, si j'appuie sur R1, on a un petit écran qui s'affiche avec la machine d'information qui nous permet de voir le speed, l'accélération de grip, jusqu'à combien on l'a amélioré. Donc on va aller prendre ça. Voilà, on va l'utiliser. Et regardez, du coup maintenant, on a... Ça a changé, on a le speed qui a un petit peu évolué, l'accélération a beaucoup plus et le grip vraiment plus. Alors c'est léger quand même, on a encore de la marge, hein. On a encore 4 barres à franchir. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va faire donc un Go Race et on va passer à la deuxième course. Non, la troisième course, pardon. Qui du coup devrait nous apporter un peu plus de points.
Mais peut-être que notre voiture sera pas assez puissante pour la prochaine course, hein, je sais pas. On va le voir ensemble. On va voir si le degré de difficulté augmente vraiment, drastiquement, ou si c'est un peu facile. Ok, je pense que j'ai fait un départ pas trop mauvais. Ah, ils ont l'air rapides. Un poil plus rapide que tout à l'heure. Alors on a un petit circuit en bas à gauche, hein, qui nous permet à peu près de voir où il va y avoir les virages. Alors là par exemple, il m'a poussé. Je lance un petit coup de drift, un petit coup de boost, pardon. Et dès qu'on va aller chercher... Alors, point intérieur, c'est bon, ça s'est passé. Attention au virage à l'intérieur, c'est bon. Alors on a 4 tours à faire, on a déjà fait 2 tours. Et je suis quand même très très loin. Et il ne reste plus qu'un tour. Ouais, on est quatrième. Alors je sais pas ce que ça donne si on finit par exemple sur le podium. Voilà, donc j'ai terminé 3ème. Alors vous aurez compris que c'est beaucoup plus difficile maintenant, hein, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. Par contre les deux devant sont vraiment beaucoup plus forts. Donc du coup, est-ce que je vais gagner de l'argent ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Ouais ça va, je gagne quand même quelques records bonus, quelques petits points. Même en finissant 3ème, donc ça c'est bien. Et du coup je vais pouvoir améliorer encore mon véhicule. Donc ce qu'on va faire c'est l'améliorer. Pour ça on va voir si on est un petit peu mieux contre eux. Alors le moteur c'est encore un petit peu cher. Sur l'hôtel on pourrait gagner de l'accélération, ça coûte 2700, j'ai pas assez, là j'ai pas assez non plus. Pour l'instant les freins ça sert à rien, parce que franchement on va pas assez vite. Ouais là je peux améliorer ça aussi. Alors vous voyez j'ai un choix en fait, plus j'augmente ça, plus j'ai la vitesse, plus j'ai l'accélération. Là j'ai un petit peu des deux. Mais ça coûte bien cher quand même pour ce que c'est. Là j'améliore l'accélération et le grip de 20, et ça coûte 2300. Donc j'ai pas assez d'argent. Donc on va juste refaire la course une fois. En plus je connais le circuit donc vous allez pouvoir peut-être m'améliorer. À la limite, je vais vous montrer la course 2, comme ça on va voir ce que ça donne en bas. Alors vous l'aurez compris, c'est un jeu que j'apprécie plutôt, hein. Honnêtement je trouve le jeu bien réalisé. La maniabilité est cool, vraiment la maniabilité est bien. C'est un jeu que je vous conseille. Très amusant franchement. En plus il est bien quoi, enfin je veux dire il n'y a pas trop. C'est pas trop fouillis, on comprend vite ce qu'il faut faire, les circuits sont plutôt bien réalisés, le son pas mal aussi. Alors vous avez un petit saut. Il va falloir faire attention à ça aussi. Il y a même de l'eau, regardez, on a quelques petits détails qui fait que si on va dans l'eau, ben, on perd un peu de temps. Et là on a un saut à nouveau. Là je vais essayer d'utiliser un petit peu le boost pour pas me faire trop rattraper. Par contre je tourne vraiment mal. Le rival qui est allé totalement dans l'herbe. Allez, on est sixième. Allez, j'essaie de pas faire trop de bêtises, on essaie de mieux prendre les virages. Pas perdre trop de temps, voilà. Attention à la flaque d'eau ici aussi. Vous voyez, ça c'est un circuit qui est déjà un peu plus technique, avec du dénivelé. Allez, par contre j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et je suis sorti de la piste. Ah je suis cinquième, hein, c'est pas super bien comme résultat. Allez, c'est le dernier tour, on va quand même essayer de remonter. Et je suis sorti de la piste, voilà, j'aurais pas dû faire ça. Bon bah là c'est un échec, c'est totalement ma faute. Je n'ai pas réussi à faire mieux que 5ème, donc c'est pas super. Je sais même pas si je vais gagner de l'argent en terminant 5ème. Je dirais potentiellement non.
Mais si le jeu est sympa, je peux quand même grappiller 2 ou 300. Ouais, 5ème c'est... Si, quand même, j'ai gagné 600 points. Ouais, 600 points, c'est pas mal. Et du coup, ça me permet d'améliorer quelque chose. Donc, je vous propose d'améliorer le véhicule. Alors, du coup, on va aller chez Kyosho, évidemment. Donc, vous avez compris, hein, Kyosho, c'est eux qui vont tout sponsoriser tout. Donc, on a 2700 crédits. On va pouvoir améliorer le cerveau, par exemple. Du coup, j'aurais une meilleure accélération, ça peut être pas mal. Après, ça coûte un peu trop cher. Soft, on a vu que c'était pas mal. Ça, c'était pas mal aussi, hein, pour 2300 points. Alors là, j'ai le choix, en fait. Soit je mets du soft, soit je mets du hard. Ah, j'ai bien envie d'améliorer le hard. 16 en accélération, 16 en grip, c'est pas mal aussi. Ray Dumper Soft, ok. Ça, ça coûte très cher, c'est un exhaust, mais bon. Et regardez, je peux acheter aussi des bodies, je vous ai pas montré. On a aussi Condor, alors évidemment ils ont pas les licences, donc ils disent pas le nom réel. Vous avez compris que ça c'est une 500, ça je sais pas, j'ai du mal à voir, ça c'est un hélicoptère. On a aussi ce châssis là, on a le Hornet, on l'a vu tout à l'heure. Mais on a aussi, regardez, on a Subaru, on a Noriko, on a un Super Express, ça c'est le Shinkansen, on a Little Bird, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, un Sumo, et voilà, quelques autres châssis. On a un set de stabilisateurs. On a aussi ça. Il y a pas mal de choses, mine de rien, pour améliorer. On peut même prendre ça à la limite. Hein. Center One Way Unit. Là, ça améliore l'accélération, le grip et le frein. Carbone, suspension. Le speed, on peut améliorer un petit peu. Le grip 5. Ça coûte assez cher. Hein. Et par exemple, si je prends ça plus un autre, ça peut être pas mal. Mais je pense qu'on va partir là-dessus, on va partir sur un cerveau qui offre beaucoup d'accélération. Et on va faire ça direct, on va revenir. On va aller chercher au tune-up pour changer ce que nous avons acheté. Voilà. Et voilà, on a du coup un peu plus d'accélération. On va faire un go race, on va retenter la première. Peu importe si on réussit ou pas, hein, c'est juste pour voir si on peut améliorer avec les améliorations qu'on a fait. De toute façon, vous avez compris le système du jeu. Hein. On va faire des courses, essayer de les gagner au fur et à mesure, améliorer son véhicule. Et après, vous allez voir, ça devient de plus en plus dur parce que les véhicules très rapides, très difficiles à... Il va falloir un réflexe assez énorme. Ah, j'ai un peu plus d'accélération, ça fait plaisir. Voilà, j'ai gratté un petit peu, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, c'était un bon temps, c'est parfait. Et là, on va essayer de les passer, nickel. On a un petit hélicoptère, vous avez vu, qui survole la piste. Alors je passe un petit peu sur les musiques, ils sont plutôt sympas. Bon après il faut aimer. C'est plutôt entraînant. Voilà, on va dire... ça pourrait très bien faire une musique de Sega Rally 2 par exemple. Voilà, c'est le dernier tour, je pense que je vais pas faire mieux. Hein. J'ai le rival qui est troisième. Bon, après j'ai pas amélioré tant que ça le véhicule, hein. J'ai un peu plus d'accélération. Mais ça s'arrête là. Ok, on l'a pris à l'intérieur, c'est bon. Et on va encore échouer en troisième position. Alors vous avez vu, on a quand même les kilomètres heure. On voit qu'on a 20 km/h, par exemple ici. Évidemment, ces vitesses sont pas très élevées. Mais je pense qu'à la fin, on aura quand même des bonnes vitesses. On a battu le record du tour, par contre, ça c'est bien. C'est logique, parce qu'on a une voiture qui est améliorée. Et donc du coup, on a gagné 1200 crédits points, 300 records bonus. Et du coup, on peut encore améliorer la voiture, vous l'avez compris. Voilà donc pour le jeu. Alors, on va sortir du mode. Et demander si je vais avec la mémoire carte, mais je crois que j'ai plus d'espace sur la carte mémoire. On va faire un new data. Voilà. Alors, on va faire OK. On ne redémarre pas la console, bien entendu. Vous savez que si vous retirez la carte mémoire en plein sauvegarde,
il y a une attaque atomique qui est déclenchée instantanément, donc surtout ne faites jamais ça. Allez, on va faire une petite quick race, histoire de voir un peu ce qu'on a comme autre modèle. Bon, on va remettre évidemment notre nom. On va faire donc OK. Voilà, End. Et je vous propose un petit peu de off-road. Regardez, on a un niveau de classe en normal et en expert. Donc en beginner c'est des gros 4x4, en normal on est sur un rallye. D'ailleurs vous avez vu, on a encore un modèle qu'on n'avait pas débloqué avant, c'est un cour là. Et voilà, on a le mode expert. Alors je vous propose à la limite un mode normal. Et regardez la voiture auquel on a comme... alors je crois que c'est une 306 ça d'ailleurs. On a la Subaru Impreza, vous l'aurez compris. On a la Corolla. On a la Mitsubishi Lancer Evo 3. Et c'est tout. Je vais prendre la petite Corolla, tiens, pour une fois. Qui est assez homogène. Et on va voir du coup le Fountain Park qui m'a l'air assez gigantesque. Regardez-moi ça. Le circuit a l'air quand même assez grand. Enfin, en tout cas, visuellement, dans le loading, il a l'air assez grand. Et peut-être qu'en fait, il est super court. Allez, c'est parti. Alors, on est bridé à 22 km/h, donc je pense que finalement, elles sont pas spécialement plus rapides que nous. Alors, si, elles sont quand même plus rapides. On le ressent. Regardez la différence quand même. Avec des voitures, on peut se préparer. C'est assez énorme. En plus, la voiture tourne beaucoup mieux. Je viens de me faire leur rival, mais je vais pas le faire. On va essayer d'aller chercher. D'aller chercher les deux concurrents devant nous. Je vais me taire un peu, vous laisser profiter de l'ambiance du jeu. Ouh, le gros choc qu'on a pris. Et vous avez vu le time-up, il est quand même très short, hein. On avait 6 secondes pour finir. Bon, j'ai fait une course plutôt bien, donc je peux pas faire trop d'erreurs. Mais franchement, j'aurais pu pas forcément gagner. Quand même, le décor est bien fait, hein. Vous avez vu le nombre de détails quand même autour, c'est quand même bien réalisé. Et du coup, on a gagné la course, voilà. New record. Et vous voyez, là, c'est ici qu'on la prend, si on appuie sur L1 ou R1, on va du coup pouvoir dasher. Et on a un quatrième round. Pourquoi il appelle ça le round 4 d'ailleurs, c'est bizarre. Alors, on va faire une petite course et puis on va s'arrêter là. Le régime moteur au maximum, les voitures sont élancées sur un circuit un petit peu différent cette fois-ci. Avec du coup, ça a l'air, vachement plus serré. Ok, alors j'essaie de découvrir le circuit un petit peu par l'écran d'en bas. Hein. On va essayer de pas avoir time up. J'utilise au bon endroit, par contre j'ai un petit peu tapé, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors le rival, je l'ai mis un petit peu dans les choux. Oui, faire attention, hein. Je peux utiliser le boost, mais si ça me fait faire plus d'erreurs qu'autre chose, ça n'a pas grand intérêt. Mais il est cool ce circuit, il est marrant, j'aime bien. Et là j'ai fait n'importe quoi. On est dans le dernier tour, je pense que le premier va être difficile d'aller chercher. Et vous avez vu, on a un 6 moteur aussi. Hein. Concentrez-vous, c'est la partie la plus cruciale. Et on a plus que 6 secondes. Hein. 4 secondes. Alors j'ai réussi sur le timeout. Mais alors vraiment, j'ai eu du bol parce que franchement, ça devait pas finir comme ça. Alors, c'est vraiment que j'allais échouer sur la ligne d'arrivée. Et du coup, on a gagné. Donc on peut aller sur le suivant. On dirait un petit peu un mode à la Tekken, un mode arcade à la Tekken, puisqu'en gros, tant que je continue, on a le round qui augmente, et j'ai l'impression de devenir de plus en plus difficile. Donc là, on a réussi. On a réussi. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était RC de Go sur PlayStation. Que je vous... on a gagné, on a passé en classe up, du coup on a notre véhicule que je vous laisserai découvrir par vous-même. Franchement, je vous dis, essayez ce jeu, il vaut vraiment le coup. Donc, RC de Go sur PlayStation, un jeu que je vous recommande, vous l'aurez compris. Surtout si vous aimez ce genre de jeu. C'est cool, c'est fun, c'est bien fait. Franchement, ça mange pas de pain, allez-y, hein, jetez-vous dessus.
Allez, je vous dis à tous une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et donc, à la prochaine. Ciao tout le monde!